Excellence, Mesdames et Messieurs, chers amis. Bonjour. My name is Brenda Vongova, founder of the UN Chamber Music Society. Today's French concert is a celebration of French Language Day at the United Nations and in honor of the month of Francophonie. We are proud to partner with the Permanent Mission of France to the United Nations and the International Organization of La Francophonie. As music is a universal language, today's All-French Music Program symbolizes the linguistic and cultural diversity of humanity, particularly through music and the French language, one of the most widely spoken languages in the world and one of the official UN languages. I would like to thank the extraordinary musicians and members of the UN Chamber Music Society for helping to make this concert possible. I would also like to thank His Excellency Nicolas de Rivière, Ambassador and Permanent Representative of France to the United Nations, and Ambassador Evgenia Kontolientos, Permanent Observer for the International Organization of La Francophonie to the United Nations, for their generous support to this concert. I hope that you will enjoy this concert in celebration of French culture and language. Je vous remercie. Chers amis, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion du concert donné par la Société de musique de chambre des Nations Unies, alors que nous célébrons la journée de la langue française. La musique est un langage universel et je suis fier de la contribution historique des artistes de langue et de culture française à ce patrimoine mondial. Je pense entre autres à Lully, qui fit entrer l'orchestre moderne dans l'histoire de la musique instrumentale, à Rameau, qui appliqua les idées de Descartes et théorisa l'harmonie, mais aussi à Chopin, figure du courant romantique, ou encore à Debussy, qui par ses gammes riches et évocatrices insuffla une véritable liberté, incarnant la révolution musicale du XXe siècle. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. La musique adoucit les mœurs, et en ceci, elle rejoint à sa manière les valeurs fondamentales des Nations Unies, celles de paix et d'amitié entre les peuples. Je me réjouis que cette initiative s'inscrive dans un partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui depuis plus de 50 ans promeut la paix, la tolérance et la diversité. Je tiens enfin à saluer Brenda Vongova, qui assure la direction artistique de cette programmation, et je remercie tous les musiciens qui s'apprêtent à l'interpréter. Et surtout, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon concert. Je souhaiterais tout d'abord remercier la Société de musique de chambre des Nations Unies pour l'organisation de ce concert en l'honneur de la journée de la langue française aux Nations Unies célébrée le 20 mars, en écho à la journée internationale de la francophonie. Je voudrais par ailleurs féliciter chaleureusement les musiciens talentueux réunis à cette occasion. C'est un privilège pour moi de délivrer ce message en nom de l'Organisation internationale de la francophonie qui rassemble 88 États et gouvernements membres sur les 5 continents, en prélude au concert qui nous réunit aujourd'hui. En ma qualité d'observatrice permanente de l'OIF auprès des Nations Unies à New York, je tiens à saluer le partenariat qui nous lie à l'ONU afin de promouvoir le plein respect du multilinguisme. Consacré comme valeur fondamentale de l'ONU, le multilinguisme est la pierre angulaire d'un multilatéralisme rénové, pleinement respectueux de l'égale dignité des États membres et proche des peuples. Les journées des langues officielles de l'ONU nous rappellent à quel point ils méritent notre engagement afin de faire vivre au quotidien la diversité culturelle et linguistique dans les enceintes onusiennes. Depuis plus de 50 ans, l'OIF œuvre d'arrache-pied pour le rayonnement de la langue française et la promotion de la diversité culturelle de l'espace francophone. Ce concert nous invite à célébrer le patrimoine de la famille francophone et de la langue française. Nous saluons les 321 millions de locuteurs francophones autour du monde, les 132 millions d'apprenants du et en français, dont 59% des locuteurs quotidiens sont en Afrique. La langue de Molière est l'une des deux langues de travail du secrétariat des Nations Unies et l'une des 6 langues officielles de l'ONU. La 5e langue la plus parlée dans le monde est la 4e langue sur Internet.
Je voudrais aussi vous annoncer le lancement de notre programme culturel de l'année 2023, le Printemps de la Francophonie, qui s'adresse à tous les francophones et les francophiles de New York. À travers notre action de diplomatie culturelle, nous mettons en valeur toute forme d'expression artistique issue de l'espace francophone. Le concert que vous nous offrez aujourd'hui constitue une magnifique contribution à cette action. Excellent concert à toutes et à tous.